Allez, salut à tous, c'est Mafumi130 et bienvenue, pour ce nouvel épisode de cette épopée sur Final Fantasy XIV en compagnie de Windy Blood qui est toujours aussi fatiguée tellement qu'elle s'étire. La bienvenue, tu me dis. Ouais. Ouais. Chocobo. Oui, Chocobo. Tu crois que c'est level 5 réellement? Non. Donc. Ah, mais de toute façon, il faut aller là, Faut aller là. Là, tu vois, c'est oui. Là. Non, mais pas là. Mais oui, là. Faut aller dire qu'elle ne... que son rêve de jolie maison à un jardin, ce sera. Sniff. Ce sera, tu vas reculer. Et sois sincère avec elle. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Enfin. Fatigué. Qu'est-ce que je disais? Quoi? T'as baillé il y a 2 secondes. C'est tous les épisodes que j'ai entendu. C'est la première fois que je baille. Ouais, vas-y. Allez, dites-moi tout vite. Soldat immortel, vous avez appris quelque chose sur cette histoire de vente de terrain? C'était donc ça, c'est dommage pour moi, même si c'est dans l'intérêt de notre cité, il n'y a rien à redire. Après tout, le général semble porter ses roturiers comme vous en haute estime. Enfin, ce n'est pas grave, je ne perds pas espoir de pouvoir réaliser mon rêve un jour. Il ne me reste plus qu'à continuer d'économiser pour chercher une parcelle dans de beaux quartiers d'Ulda. Merci pour vous être renseigné pour moi. De rien, de rien. Et je vous reprends les gens. Voilà, je vous reprends les gens. Donc, c'est fait. Le quartier de téléportation universel est disponible. Vous pouvez désormais vous téléporter vers la coupe grâce au réseau de transport Uber et Terre. Merci. Voilà, thank you. Partons vers Horizon. J'ai un point ici, attends. Il y a un point, il y a une quête ici que ça dit. Par là. Ah oui, mais vers Horizon. Faugour de... Non, mais faut... Attends. On dirait que c'est en ville. Non, c'est la fameuse super potion. Allez, on court, on est obligé, c'est RP. CRP d'attaquer ces saloperies. Yata! Vous êtes là! Inou, par la route! Inou, par tous là-haut. Non, on va faire plutôt ceux là-bas pour être intelligent. Inou, par la route, ces enfoirés! T'as l'autre, elle est à poil, la fille. Tranquille. À poil! À poil! Ouh là, esquive! Tu es toujours avec moi là? Tu te bats contre des ennemis, c'est ça? Oui. Oui. Qu'on dit? On dit pas oui, on dit oui. Oui. C'est ça. J'esquive quand même les attaques qu'il faut parce que c'est... sinon ça craindrait un petit peu. Non, je voudrais attaquer, s'il vous plaît. Merci. Bon, je vais me ramasser pas mal de dégâts, mais. Voilà. Là, qui passe pim, façon chocobo. Ah, ça, donne, ils en ont rien à foutre, tu sais. Mais alors, strictement, rien à foutre. Je commence à avoir mal quand même. Je vais quand même faire attention. C'est ça que moi je reste loin. Pour esquiver leurs attaques. J'étais trop comme un bourrin en fait. Bon. Et toi, tu peux rester à distance, c'est ça qui est bien. Moi je peux même pas. Obligé. Oui, toi, oui, t'es obligé. Oula, 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 oula. Olaf, Olaf, Olaf. Olaf. Ah tiens, ça faisait longtemps, Olaf. C'est ça. C'est Olaf. Non, je vais pas bien t'attaquer. Merci bien. Après, c'est à Téléor, on va pouvoir. On poursuit. Parce qu'il nous bloque la route, c'est ça en fait qui se passe. Non. Pas sûr, tu pourrais passer au travers, mais. Ça ferait pas RP. Moi et le RP, tu sais bien. Ce serait pas du tout RP. Oui. Et j'aime pas les choses qui sont pas. RP. À l'attaque! Moussaillon! Rien à voir, on n'est pas des pirates, mais Moussaillon quand même. Oula, oula. Oula, 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 oula. Oulaf, oulaf, oulaf. Je dirais même. Et bon, on t'enchaîne. Vas-y, viens, essaye de m'attaquer, vas-y. Essaye de me mettre quelque chose. Non, j'esquive son attaque à la con. Voilà, j'esquive tout. J'esquive tout, je suis beau, je suis grand, j'esquive. C'est ça qui est bon. Allez, alors, voici. Ça fait l'XP. Ça fait 1700 même. Ah, des nuées de moucherons, je dois les attaquer. Attaque les nuées de moucherons. J'attaque. Je ne fais que ça. Je cours, je vole. En espérant qu'il faut pas les rattaquer, je sais plus si après il faudra. On pas de plus du tout. Oui, j'ai une nouvelle compétence aussi. Tiens, mange ça. Faudrait que je la remplace. Attends, je vais remplacer ça. Sauf que je me fais attaquer, c'est ça. Ouais, je me fais encore attaquer. Mange ça. Voilà. Ouais, ça enchaîne bien en plus qu'on fait. Ça enchaîne bien. Du coup, hop, on peut le terminer. Et. Enfin, c'est j'ai rouvert. Du coup, ça, je peux mettre là-bas. Et ça, c'est
C'est quand on est contre-attaqué, c'est ça? Vous pouvez... lancement... Tac. Ne peut être utilisé qu'après une esquive, voilà, ouais. On va mettre le 6, là. Ok. Et moi, je m'en vais. Quoi? Moi, je m'en vais. Attends, je devais plus en battre. Je regarde. En tout cas, de toute façon, j'en vois pas. Gale Grofat! Y'a ça. Je regarde. On dirait que ça a l'air d'être bon. Je regardais quand même dans le chat. 1 sur 2. Vous avez vaincu. Pour bestier. Ah non, il y en avait que. Que 2 à battre. Bah, au moins, c'est fait. On va aller voir dans le bestiaire où est-ce qu'on est. Ah, il y a un gros itérite. Dans les bestiaires, il me reste plus que 1, 2, 3. 3 bestioles à battre. Après, on sera réglé. Ce sera une bonne chose de. Faites. Tu veux prendre le gros éthérite là-bas? Oui. Tu veux t'harmoniser? Légendaire. Légendaire du 5. Chevalier dragon. Prendre les petites quêtes avant. Tu veux prendre la quête ou d'abord parler à la quête? On va parler à la quête. On va parler à la quête. Oui, on parle aux quêtes, nous. Oui, on aime bien parler aux quêtes. On est comme ça. Cinématique. Cinéma lol. Lol. Tu dois certainement être l'aventuré dont m'en parlait Momodi. J'ai commencé à me demander si tu allais vraiment venir. Bon, je vais t'expliquer ce qu'on attend de toi. Le camp d'horizon est point de passage obligé pour les marchandises séchargées à la baie des Vèvres. Plus à l'ouest, l'endroit grouille de commerçants et de convoyeurs occupés à leurs affaires jour et nuit. En ce qui concerne, le commerce marche rudimentairement bien et je manque de bras pour suivre le rythme et tenir tous mes engagements. C'est ça que je t'ai vu venir ici. Et mon gros, derrière, si tu n'arrives pas à porter la caisse et que tu restes planté là, autant la déposer la caisse. J'espère que tu es motivé, car ce n'est pas le travail qui manque. Fais-moi signe quand tu seras prêt à transpirer. Je suis prêt à transpirer. Ah, moi, je suis pas prêt. Prends ça. Ah, un nouveau pantalon. C'est ça, c'est ça. Le pantalon. On va aller voir le pantalon. Je vois pas la différence. Enfin, soit. Partons, toi. Godor, je ne regrette pas que Momodi t'ait envoyé à mon service. J'aimerais que tu ailles aux mines de cloche de cuivre le plus vite possible. Comme Momodi a dû te l'expliquer, je suis un marchand de minerais et de pierres précieuses. J'attends une livraison directe de mines, mais je n'ai toujours rien reçu. Et je commence à m'inquiéter. J'ai pris les prêts forts pour ces pierres. Il est hors de question que je me laisse rouler sans rien dire. Pars trouver Drukenstag dans les mines de Clochecuivre et montre-lui ce courrier. Fais-lui comprendre qu'ils doivent me faire parvenir ma commande sur le champ. Et tout le dis, si tu le dis. Mais d'abord, il y a des quêtes. Zutiro. Allez, Zutiro. Dites, t'as pas envie de faire un petit peu d'argent facile? T'inquiète, y a pas de piège. À ta place, je ne laisserai pas passer une chance pareille. Tu connais ces monstres appelés Piste. Ils ont le pouvoir de changer leurs ennemis en pierre. Eh bien, figure-toi que grâce à la chimie de leurs yeux, ils peuvent être transformés en magnifiques pierres précieuses rouges. Et ces jolis petits cailloux valent leur pesant d'or. Ce que je te propose, c'est d'aller tuer ces péistes et me ramener 4 de leurs globes oculaires. T'es d'accord? J'ai pas trop le choix, de façon, à ce que je vois. Oui. Toi. Alors, Fufu lui pas. Allez, Fufu. C'est Fufu. Godor, nous voulons faire face à un problème sérieux. Je dirais même que la situation est grave. Je sais pas comment, mais quelqu'un a réussi à se dérober des marchandises dans l'entrepôt. Mon intuition me dit que les coupables ne vont pas s'arrêter là. Pour les attraper, j'ai décidé de placer des pièges mâchoires un peu partout par ici. Pourrez-vous m'aider à les installer du code quoi ces engins? Quand vous aurez fini, allez faire rapport à Shin-Shin-San. L'un de mes camarades soldats, je vous remercie d'avance. Et puis, il y a la quête pour le mec des mandats. Là-bas. Manda. Tal. Non, mais mandat. Si tu veux, au mandat, au bout des mandats. Bonsoir, aventurier, je suis Tononowa, le responsable des mandats à la guide d'Horizon. Vous êtes ici à la demande de Stas, n'est-ce pas? Très bien, laissez-moi vous confier votre première tâche. Ne vous en faites pas, ça sera très facile. Avant de confier des travaux plus importants, je veux simplement assurer que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Prenez donc connaissance du contenu de ce mandat, pensez-vous que vous serez à la hauteur? Acceptez un mandat, j'accepte le mandat. Il a été trouvé que les pays préféraient la viande de la laine à celle des 4 autres races. Les opinions divergent quant à la raison de cette préférence, mais la plupart considèrent que la force des rodettes de la laine les rend plus faciles à avaler. Étant donné que la majorité de la population du Dain est considérée de la laine, les collines de Tanaland représentent un lieu de choix pour les gigantesques reptiles. C'est pour cette raison que les lames de cuivre cherchent sans cesse des aventuriers capables de les tuer, ces créatures, avant qu'elles ne fassent davantage de victimes. 20 minutes pour le faire, on voit le lieu et on y va.
Merveilleux, juste un conseil. Attends, tu me laisses même pas le temps de finir le dire. Merveilleux, juste un petit conseil. Lorsqu'ils sont en danger, les pays sont tendance à fuir pour appeler leurs confrères à l'aide. N'attendez pas avant de donner coup de grâce, ou vous risquez d'être vite submergé. Il est temps de tenter votre premier mandat. Vous pouvez le lancer en passant par le journal. Si la mauvaise posture est payiste, à coup sûr d'abandonner le combat et de s'enfuir vers un lieu d'autres ses camarades se cachent. Vous avez tout intérêt à le suivre avant si vous désirez accomplir un mandat plus facilement. Comment ça, un mandat? Tout ça au co. Né. Et du coup. Attends, il y a d'autres choses à faire par là, en fait. Avant. Je sais pas où est-ce que t'es parti, toi. Poser les pièges. Emplacement de pièges, c'est ça? Ok, ok. Même si je te vois pas à côté de moi bizarrement. C'est bizarre. Piège. Ah oui, maintenant. Avant, tu n'y étais pas. Et ne mens pas, on t'a vu à la caméra, lol. Mandat. On va faire après, on va faire le mandat. C'est ça? On va mettre des mandales. Oui, on va mettre des mandats, mais avec le mandat, je connais le jeu de Momoisy. C'est moi qui fais des jeux de Momoisy, il est en train de faire à ma place. Touk. Salut, Chocobo. J'avance. 3. C'était une quête assez compliquée, celle-ci. Très. Moi, je trouve ça assez compliqué. Je sais pas pour toi, mais moi, oui. Du coup, on va pouvoir lui rendre sa quête tant qu'on y est. Ah, Shazam. Ah, vous avez aidé à poser les pièges. Merci beaucoup. Mais attendez un peu. Quel imbécile a été mettre des pièges juste devant l'entrée du camp? Si le chocobo d'un marchand devait se blesser, ce serait terrible. Bon, je vais aller lui enlever ses machins moi-même. Merci pour votre aide jusqu'ici. Désolé pour Fufu. Avec lui, c'est toujours la même chose. Il est plein de volonté, mais il ne réfléchit pas suffisamment avant de prendre une décision. Et à la fin, c'est toujours nous qui devons payer les pots cassés. Donc en gros, tout ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai fait tout ça pour rien. Mais c'est tu ça. M'as gagné quand même 173 guilds. Donc, je te dis merci. Alors, maintenant, faisons le mandat. On va mettre des mandales, c'est ça. Ah, le mandat, c'est de l'autre côté. Okay. On devrait pas plutôt alors d'abord aller tuer les pays. Non, c'est par là. Elle veut obtenir des globes oculaires des pays, l'autre. Attends. C'est... Attends. Circonstance c'est l'autre, c'est l'autre côté. Oui, par là. Non. Non, c'est là-bas, les pays. Tu veux faire ça d'abord? Oui. Si tu veux. Parce que c'est dans une zone inexplorée. Inexplorée. Il faut explorer et pas pleurer. Tu vois? Du coup, on va aller tuer les payistes qui avec, sont là. Avec les Américains. Attends, il y a un truc à... Non, il y a un truc à rendre surtout là-bas. Donc, on va aller là-bas. On va taper les payistes avant, non? Non. On va d'abord là-bas. D'abord, on va là-bas. Parce que je l'ai décidé. Oh, et si t'es pas content... Si tu l'as décidé. Tu vas décéder. Parlons. Ouais, c'est moi qu'on appelle Drugin Stark. T'as besoin de quelque chose, mon gars? Non, je t'ai donné ça. Une lettre. Ah, c'est monsieur Danana qui s'impatiente. Faut qu'il prenne la mouche comme ça. La vérité, c'est que les tunnels grouillent de monstres et nous a donné du support de travail. Et l'autre à droite, par contre, il a chaud, gars. Mmh. Ah, il fait chaud. Enlève déjà ce que t'as sur ton visage. J'aimerais bien lui envoyer sa commande, mais pour l'instant, je peux rien y faire. Alors, au chou, non, y'a rien d'intéressant, donc je prends ça. Moi aussi, beaucoup de je gagne un en magie. On va parler à Drugenstag d'abord. Alors. Au fait, c'est monsieur Daniel qui m'a commandé, c'est un minerai rare appelé Nanashit. J'ai bien réussi à en acheminer un petit chargement à l'extérieur des mines, mais avec tous les gobelins qui rôdent devant, impossible d'aller le récupérer. Pour couronner le tout, comme ces sales bêtes sont friandes de cailloux en tout genre, j'ai bien peur qu'on en fasse qu'une bouchée. Ça m'arrangeait bien quand t'ailles les chercher. Et Torig? Torid? C'est Torid quoi? Oui. Vu. Android quoi? Vu ton ac. Ou pas du tout. Vu ton accompagnement, tu es un aventurier, je me trompe. Tu tombes bien, tu vas pouvoir me rendre un petit service. Quand l'ordre d'évacuer les mines de Clochecrive a été donné, je me suis enfui tellement vite que la panique, j'ai laissé tomber mes outils. Tu peux aller les ramasser pour moi? Il y a une pioche aiguisée, un vieux marteau et un maillet tout dur. Tout dur, j'ai bien dit. Ils doivent être à l'extérieur, devant l'entrée. Mais attention, les bonbons, les bobos là-bas sont particulièrement agressifs. Ok, ok. Et du coup... Pas le plus proche, c'est ça, en fait. Du coup, quoi? Toujours pas les pistes. Ah ça, c'est triste fille. C'est triste fille, c'est triste fille. Du coup, j'en vois un là-bas de d'objets. Là. Un ici aussi, t'as de minerai. Ah ouais, t'as de minerai d'abord. Ah mais c'est pas un objet ça, c'est juste un minerai. Du coup, pour attaquer ça, pour les gobelins, tu comprends? Les gobelins, les gobelins. Est-ce que tu connais les gobelins?
Ouah, esquive, esquive. Non, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il y a un autre tas de minerais et il y a la pioche. D'abord la pioche. J'ai pris le tas de minerais. On va se faire attaquer. Toi, tu me diras. Ça semble logique. De toute façon, tu me diras, on peut faire la même chose vu que de toute façon, c'est un ennemi vu que c'est en équipe. Esquive. Toi, t'as pas esquivé. Non. T'as un minerai là. Ah, il y a. Il y a le vieux marteau là-bas. On va d'abord prendre le vieux marteau, ouais. Qui est juste là. Le vieux marteau. On le prend tantôt. Ou tout de suite. Voilà, vieux marteau. Et il manque plus que le maillet. Le maillet qui est ici. Et encore un tas de minerais. Voilà. Tu as tout du coup? Oui. Du coup, il reste plus que le tas de minerais ici. Voilà, nickel. Où est-ce qu'il est? Derrière nous. Derrière toi. Derrière nous. Pas que derrière moi, derrière toi aussi. Nice. Très mal. Moi aussi j'ai eu un peu mal. Pourtant j'étais hors du cercle. Non, moi j'ai eu un peu mal aussi. Et voilà. Du coup. Ah, on est en symbiose avec les jambes bien moi. Et avec la salle du roc, oui, je suis. Y a rien d'autre à faire. Non, non, on peut repartir pour les deux. On dirait quoi? Voilà. C'est tranquille. C'était tranquille. 7 sur 10, plus ça, tout le temps, toujours les mêmes en fait. Ok. Pourquoi les pays? J'ai un truc au-dessus de leur tête. Ah oui, bah forcément. Non, viens, on va taper les pays. Comme ça, ce sera fait. Ça va, level 10, on est level 11, on a un level au-dessus d'eux. Toi, t'es bientôt 12. N'est-ce pas? On était. Hey, c'est le truc qui nous attaque. Il y a les deux qui nous attaquent. Je dis d'abord le pays parce que c'est pas un nuage qui va nous faire tellement mal, je pense. Ou alors je me fais des idées, mais. Eh tiens, mange tout ça, la nuée de moucherons au soleil. On le sirop de yogourt, on va éviter, hein. Pourquoi? Qu'est-ce... Tu l'as attaqué? Il t'a. One. Shot. Windy Blood est. Malheureusement. Ce jour. T'as pas envie de me ressusciter, non? Je pense pas que je peux te ressusciter. Non, je peux regarder ton corps. Examiner, murmurer, masquer, cible localisée. Non, tu peux aller dessus, tu peux mourir en fait. Voilà. Donc je disais, ce jour, il y a la triste PS pour nous tous. Ce jour. Pour nous tous, je vais devoir payer les guilds sans revenir. Ce jour est fait que Windy Blood est malheureusement décédé sans qu'elle ait décidé mort. Attaqué par un sirop d'égout tout vert, on dirait un slime, ni plus ni moins. Un slime. On dirait un slime, le truc. Si c'est pas un slime, tu me dis c'est quoi? Alors c'est une gelée limite, une gelée verte ou c'est. Attends, c'est quoi le film avec la gelée verte justement? Flubber, c'est ça, je pense. Flubber. Ouais, c'est, tu t'es fait tuer par Flubber, mais sinon. Flubber. C'est ça. À part. Donc je disais ce jour et. Je suis là. Hein. Triste. Où ça? À l'entrée de la ville. Ah, bah tu es pas encore là. Là. Ah, je te vois, t'es là-bas. Bas. Hey! Non, c'est le côté, je suis là. Oui, bon, on va tuer les derniers pistes. Ouais. Ouais. Encore un autre pays. C'est parti. On va se faire sûrement attaquer par les hyènes. Ouais, on se fait même attaquer par toutes les hyènes, en fait. Normal, c'est un aléa. Eh ouais. Bon, t'as appelé, vu que de toute façon, sinon on va se faire emmerder. J'espère que ça va aller, par contre. Moi, ça a l'air d'aller. Ils sont... De toute façon, ils sont level 7, tu me diras. Ouais, esquive ça par contre. Là-bas, tu t'es pas mangé non plus, est-ce que je vois? Non. Il reste plus qu'un globe à avoir. Et on sera réglé. Qui est. Est-ce qu'il peut en avoir un dernier? Là au loin. Moi je pense que là-bas au loin il y en a. Il y en a. Ouais, là. Allez, celui-là. Ah, oula. Celui-là qui vient de spawn. Il vient de pop venu nulle part, il vient de pop de l'infini, du trou noir, de la magie. Allez, réussi! Il a réussi! Eh, 1000! J'ai eu la médaille d'argent. T'as 1000 pour avoir fait ça, tranquille. Du coup, maintenant on va pouvoir rentrer les deux quêtes là-bas. Tranquillement, je pense. Non? T'as quand même, c'est quoi leur truc de laisser des mobs de niveau 50 traîner?
Je cherche pas dans Dragon Prophet, il y avait des world boss en plein milieu des villes aussi. Oui, en plein milieu de la prairie niveau 1, t'as un gros world boss qui ça, se balade. C'est ça, Toride, d'abord. Ouais. Il me semble que j'ai laissé tomber une pioche aiguisée, un vieux marteau et... Ouais, ça, on le sait. Du coup, donnez. Voilà. Fais voir. Oui, ce sont mes outils, ça alors, je suis pas content de les revoir. En faisant ça, à un moment, je pensais aller chercher du travail dans d'autres mines. Inutile de dire que sans mes outils, je n'aurais pas été bien loin. Grâce au tunnel, je vais pouvoir poursuivre cette idée et surtout continuer à essayer mon métier. Merci. Alors, j'ai des gants. Ouais, des gants de level 11, quand même. Du coup, je vais mettre le gant de level 11. Tac. Ah, j'ai déjà l'air... Ouais, je ressens pas Link, là. Donc. Endruken. Alors, tu as réussi à mettre la main sur mon minerai? Bien sûr. Ton minerai. Oui, c'est bien cela. Tu vois, là, Nalashid porte ce nom car sa couleur rappelle celle des yeux d'Inus ancienne sultane. Nasha ul Nasha. Bien, grâce à toi, je vais m'éviter quelques problèmes pour Monsieur Dalane. Quoique, il en manque un peu. J'espère que ces années, les gobelins sont pas venus grignoter avant que tu arrives. Et la suite. Et level up, pas pour moi. Et la suite, on le verra demain pour la suite de cette aventure. N'hésitez pas à commenter pour dire votre avis et à laisser un petit j'aime pour faire connaître cette épopée. Cette épopée hardcore. Non, elle est pas hardcore, elle est bien pour l'instant. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien. Oh yeah!